Salut mes amis et bienvenue au Canada. Restons dans les mers canadiennes, j'encourage mon pays. Au menu, ce sera frito de sole. L'élément principal sera bien sûr les filets de sole de Terre-Neuve, calibre 9-10, de la dorade rose chez Guylaine. La sauce d'accompagnement ne sera pas une sauce tartare, mais une mayonnaise à l'estragon. Donc, estragon, œufs, moutarde de Dijon, vinaigre rouge et l'huile, sel et poivre. Les fritos seront panés à l'anglaise, à savoir chapelure maison, farine, tout usage et œufs. La cuisson se fera à l'huile d'arachide à 190 degrés Celsius, je précise Celsius, et un peu dissous pour l'anglaise. Le citron sera pour la décoration. Première étape, sol, table, coupe 2, de moitié en deux comme ça, en biseau, en réserve. Deuxième, comme ça, coupe 2, en biseau. Une dernière, coupe 2, coupe biseau. En deux. Opération terminée en réserve. Couteau au repos. Les sols coupés, on prépare l'anglaise. Œuf 2. Casse comme ça. Œuf 2. Casse comme ça. Coquille terminée. Le cinquième sera pour la sauce. Œuf cassé, une pointe dissous comme ça. Sel. Poivre du moulin. C'est assez. Machine miracle. Plug. Terminé. L'anglaise est prête, on passe à la sauce. Œuf, casse, comme ça. Moutarde de Dijon, cuillère, une cuillère à soupe, comme ça. Cuillère terminée. Vinaigre rouge, une larme, estragon, on retire les feuilles, comme ça. Rebrousse poil, encore un peu. Terminé. Sel, poivre du moulin, c'est assez. Plonge comme ça, mélange. Ma base est prête, huile ajoute. Un va-et-vient comme ça. Terminé. Mayonnaise terminée, petit couteau rose, il veut goûter. Impeccable. Mayonnaise frigidaire. Maintenant on est prêt à paner. Allume, fouetteuse. La sole avance comme ça. J'organise ma table. Farine, œufs. Et chapelure, comme ça. Puis les farines, tourne et retourne, on secoue dans l'œuf. On continue, comme ça, tourne et retourne dans l'œuf. Tourne comme ça, on égoutte un peu sur les bords, poisson, chapelure. Comme ça, on égoutte un peu sur les bords, comme ça, poisson, chapelure. On secoue un peu comme ça, et au suivant. Les bords, comme ça. Chapelure. Tourne et retourne. Tourne et retourne comme ça. Maintenant, les mains plongent. Les mains de retour de la plonge, elles sont propres, égouttées, séchées. Tourne comme ça. On secoue. Assiette. Un dernier, terminé. Chapelure, œuf, farine, c'est terminé. Mon huile est à 190 degrés Celsius. Poisson, panier. Je ferai deux services. Poisson, plonge. Soupe un peu comme ça. La sole cuit très très vite. Environ 20 secondes et c'est suffisant. Après 20 secondes, ma sole est prête. Panier, soulève. Et goûte comme ça, bol, papier du bar, comme ça. Friteuse éteinte. Maintenant on dresse, pince, roquette, comme ça un peu. Vinaigrette maison, par-ci par-là. Décoration personnelle, fleur de capucine, comestible, comme ça. Maintenant la sauce. C'est assez. On est prêt à dresser, poisson comme ça. Vérification de la qualité, table, petit couteau blanc, coupe 2, hyper cuit, croustillant, poisson très moelleux à l'intérieur, on dresse. Contre vérification, petit couteau jaune, croustillant, à l'intérieur c'est hyper nickel.
Maintenant le citron. Citron coupe l'extrémité comme ça. Citron coupe deux. 45 degrés, on tourne comme ça. Queue de cochon. Queue de cochon, on tourne, on fait un nœud et voilà. Et pour ceux qui n'aiment pas le cochon, le plan B. Plan B, coupe comme ça, 45 degrés. On réunit et voilà. Maître d'hôtel, les friteaux de sol de la table 55 sont prêts, on enlève. Et merci à vous tous qui me suivez en Algérie et partout ailleurs. Salut, bye. Et merci bien d'avoir suivi les vidéos. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et suivez mes réseaux sociaux. Et si vous avez des questions ou des suggestions, allez sur ma section commentaires ici. Nous avons maintenant une boutique qui est ouverte sur notre site internet pour les tabliers comme ça. Les tabliers sont faits à la maison à notre façon. Et pour la vidéo de la semaine dernière, il est ici.